Le parcours d'achat est défini dans le modèle d'Engel, Collat et Blackwell 67 comme un processus complexe et dynamique qui met l'accent sur la façon dont les clients prennent des décisions d'achat à chaque étape et sur les facteurs qui les influencent. Ce parcours est influencé par une variété de facteurs, y compris les interactions directes avec la marque, les tendances du marché, les besoins personnels et les influences sociales. Chaque étape de ce parcours est essentielle à la façon dont l'expérience globale du client est façonnée. La prise de conscience est le début du processus. À ce stade, le client identifie un besoin ou un désir particulier qui est souvent déclenché par des stimuli externes tels qu'une publicité ciblée, des recommandations de proches sur les réseaux sociaux ou une expérience personnelle significative. Les marques ainsi cherchent à capter l'attention du client à ce moment crucial en suscitant son intérêt par des messages qui doivent être pertinents et engageants. Le client entre ensuite dans la phase de considération. À la suite de sa prise de conscience, il commence activement à rechercher des informations sur les biens ou services qui pourraient répondre à ses besoins. La qualité, l'accessibilité et la pertinence des informations fournies peuvent grandement influencer la perception et la décision du client, ce qui rend cette étape cruciale. Il est essentiel d'avoir des contenus informatifs, des témoignages authentiques et une présence en ligne solide et accessible. L'évaluation est la phase suivante. Le client va essayer de comparer les différentes options disponibles. Il va examiner les avis, les recommandations avec soin et évalue les avantages et les inconvénients de chaque option. Les témoignages des clients, les démonstrations de produits et les garanties de qualité prennent toute leur importance à ce stade, aidant ainsi le client à se forger une opinion éclairée. Le résultat de ce processus est la décision d'achat. Le client achète un bien ou un service après avoir mûrement réfléchi. La satisfaction du client est influencée par la simplicité de ce processus, l'efficacité du service client et l'expérience d'achat dans son ensemble. Néanmoins, le parcours ne s'arrête pas après l'achat. Le service après-vente, le support client et les possibilités de feedback sont essentielles à la fidélisation des clients. Une expérience positive post-achat peut ainsi transformer un acheteur occasionnel en un client fidèle et un ambassadeur de la marque. En identifiant et en améliorant chaque étape de ce parcours, les entreprises peuvent non seulement répondre aux besoins des clients, mais également surpasser leurs attentes, créant ainsi une expérience client mémorable qui favorise la fidélisation et stimule la croissance de l'entreprise.